sur choc, opération déraciner Ariel dans le pays, opération fermer tout bureau l'État. Dans Jérémy, bagay la chauffé, dans Jérémy, bagay la prend l'autre dimension. Dans Jérémy, mesdames et messieurs, en haut pas monter, en bas pas descendre, qui donc Ariel Henry, eh bien, ces derniers jours pour bailler tête pays ça, parce que, eh bien, selon population haïtienne, ou c'est plus gros criminel qui gagne dans le pays, ya, parce que sinon, ou tape fond bagay quand même, pour retirer l'insécurité qui est là, pour changer, eh bien, conditions de vie, population haïtienne. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Au sous TV La Caille, nous comptons avec vous. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous souhaitons bon début de week-end à tout le monde, amis compatriotes, quel que soit côté où il y a dans le monde. Ça, nous comptons avec vous après-midi là pour nous porter vidéo ça pour. Je nous dis là, mesdames et messieurs, eh ben, Guy Philippe nous connaît qui lance opération là, eh ben, opération ça, bataille ça, révolution ça, qui est même gagnant et donc pour but. Déchouquer Ariel dans tête pays a yo gouvernement de facto mesdames et messieurs qui pa bay population qui pa bay peuple a régler rien pour yo les gars bien vivre y a bien brasser l'argent y a bien fait affaire yo et puis peuple la même dans ben chien peuple la dans misère peuple dans tout ça qui pas ça et ben Guy Philippe après le fin prend compte prison dans pays les États-Unis et ben monsieur rentré dans pays a là et sortant à mesdames et messieurs et ben monsieur commencé à mettre diarrhée dans votre Ariel monsieur commencé à paniquer américain monsieur commencé à paniquer et ben tout cela qui fait partie du gouvernement Ariel Henry et ben Guy Philippe là opération ça révolution ça donc c'est pour délivrer pays d'Haïti en 2024 mesdames et messieurs pour les jeunes haïtiens donc pour eux même pigo et donc revio c'est lever chaque jour pour y a bien manger mais qui sac pays d'Haïti journée jodia. Gros saisissement mesdames et messieurs nous va le faut attendre déclaration Claude Joseph est-ce que c'est non Pierre je prends Claude ou bien tout est-ce que Claude change quand est-ce que Claude trahit peuple là pour aller jeune Ariel Henry bon réponse à toute question ça on a quitté à le découvrir en dans vidéo ça parce que franchement Claude Joseph fait mon saisi. Gen moun ki di pa attendre ça est-ce que ce travail n'est que travail donc audio yo ou bien tout c'est Claude Joseph même qui fait déclaration ça yo. Bon, entendez n'a tourné. Mais yo te même mettre police en face nous. T'a tiré militant tiré petit peuple là. Mais comme nous reconnaît police au centre de matrice peuple là aujourd'hui parce que l'on policier tombé, c'est petit peuple là tombé. L'on policier tombé, c'est dans ghetto à sorti. C'est ça faire nous même jodi a, nous dit peuple là, c'est pour lever camper ensemble avec police yo. Pas regarder par rapport à ça qui t'est passé yo. Pour nous dire là n'était qu'un goumen, yo t'est qu'un traquer nous dans la rue. Non. Demain si Dieu veut, conscience sur reproché yo. Et ça fait un petit peuple là. À regarder bien le tweet André Michel là. Le même jour, les policiers ont tombé à Petionville. Ouais qui tout monsieur Mendeur, libération force étrangère qui pour entrer dans le pays là. Avait dit n'est pas une mission, c'est assassiner policiers, assassiner petit peuple là. Mettez ce qui tient dans le pays. Et bien, c'est ça qu'on fait aujourd'hui là. Parce que nous connaissons. On dit par Ariel. Gang Ariel, gang PHTK, André Michel, vous connaissez. Vous ne pouvez pas être dans le pays. Et bien, ça fait. Vous avez besoin de forces étrangères qui proviennent dans le pays. Tout autant, vous avez tué les policiers. Forces étrangères sont entrées dans le pays. Et ça fait un petit policier. Allez, tweet André Michel là. Lui, bien, regardez les messages. Et elle garde Rosemilla tout. Elle garde Macho et Michel. Elle garde Nek qui est SDPO. Et faut nous garder. Nous, depuis les autres, Ariel, pas de carrière à parler d'élection. Yo connaissons pas de faire élection. Et ça fait, yo mettez en sécurité. C'est tuer un petit peuple là. Assassiner les jeunes garçons de ghetto. Tuer un policier. Et bien, ça fait un petit policier. Nous-mêmes, comme avocats, quatre batailles dans l'arrière. Bab. Moi-même, j'ai toujours dit. Ça, ça veut dire que nous pays. Nous pays connaît pour vivre, il doit pour manger, il doit avoir éducation. Ça, ça veut dire. Ça, ça veut dire. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous
Live là va se poser des sangs. Live là va se poser des sangs. Nous mettons là. Live là va se poser des sangs. Nous mettons des idées à l'OBIA. Mais c'est un son criblé. Ils ont marginalisé nous. Ils ont fait nous décourager. Pas quoi que nous ne savons. Objectiviser les États-Unis. Pour qui ça, messieurs? Tout le monde nos pays, nous avons presque 4 millions de dehors. Merci pour venir aux États-Unis. Je dis à nous-mêmes, nous disons. Je dis à nous-mêmes, jeunesse là, population haïtienne, les gens qui ont déjà sauvé, nous demandons à tout le monde nous faire débrouiller. Parce que le monde de l'État traditionnel, ça. Mais dans le Caïx, ça, nous ne pouvons pas jouer. Nous ne pouvons pas marcher avec. C'est pour les sources, ça, je dis là. Nous-mêmes, nous prenons l'arrière. Mais c'est quelqu'un qui a compris votre exercice. Vous pouvez dire que c'est très bien. Il y a une instabilité ou une sécurité dans notre pays. La sécurité, ça va me dire, monsieur. Il faut prendre pile de il y a pile de capot, pile l'argent là, monsieur. Sous tête, nous, oui. Après, il y a même un relève. Il dit, il va se faire avec, monsieur. Je dis oui, maman m'a fini. Je ne parle pas pour qui ça. Même l'université, maman qui parle pour moi. Homme qui est 40 ans au pays, monsieur. Je fais l'université. Je fais ma gaille. C'est l'ami Windows, ma frère travail. Ça veut dire qui ça. Moute, maman me dit oui, ma fini par aller. Oh, elle m'a appelé tous les fois que c'est maman qui pouvait me l'aider. C'est pour ça que tout ça, je dis à nous-mêmes de la salle révoltée. Mon tête à Sandin, pas monsieur, nous ne pouvons pas marcher avec. C'est pour tout ça, monsieur, nous prenons la ria. Je dis merci. Okay. Toujours après des militants, les militants yo senti, yo gen courage, yo parler, yo senti, yo gen force parce que ça a Sibia, yo dit ça pas problème encore parce que ça a dépassé limite problème, ça a dépassé calamité, c'est ça population a dit, c'est ça tout militant yo dit journée 11 novembre 2024, journée 11 janvier 2024, excusez. Michel Dalilé, car faut travail au chef et au connaît qui était pour moi avec l'Aria. Même j'ai appelé l'Oesson, il y a eu la quête de l'Aria, mais je l'ai dit, Ariel, t'es beaucoup mieux, c'est qu'il y a exagéré lui, nos cabinets, on n'est pas banané, la petite exagéré lui pour le faire d'abri. Même Ariel, c'est plus faux de Bagagagilé, la petite exagéré lui, démission de beaucoup d'Ariel, oui, parce que Ariel n'a pas réglé, c'est avant, parce que le monde qui a pas réglé, c'est Ariel, oui, il y a le Oesmi là. Et Major Michel, André Michel, parce que c'est Mounsao, Ariel, Volet Sao, c'est Mounsao qui est Ariel Henry là. Mais maintenant, des petits peuples là, je vais saisir nous dans la bataille là, parce que Bakala, c'est mon chum, oui, je vais s'assurer pour nous chuter Ariel Henry avec tout ça. C'est un débat qui ne peut pas choquer. Ok? Mais c'est ça seulement entendu. On entend Claude qui a parlé de Ariel. Mesdames et messieurs, dans un petit bout de ça, après ça, on va parler donc de interviewer en général, ça me tendait. Et ça me comprend et déduction. Mesdames et messieurs, on donne. Docteur Ariel Henry, c'est un homme de haute culture, grand savoir. Son intellectuel, c'est un homme de consensus, c'est un monde qui a tout mérite. Li, et c'est un monde qui connaît la réalité politique là en Haïti. C'est un monde qui connaît les acteurs politiques.
et il connaît véritablement les femmes et les hommes politiques en Haïti, M. Ariel Henry. Donc, moi, je pense que je ne suis pas seulement monde qui a dit que, eh bien, il faut que nous fassions bagarre avec le pays. Nous attendons Claude Joseph dans un petit bout de vidéo, ça, mesdames et messieurs. Et c'est un petit bout de vidéo, ça, qui a battu Claude dans la rue. Parce que, en entendant Claude parler de ce genre, ça peut choquer. Mais, on a le Kounia, parce que le moment où je filme, je vais tourner ce petit bout de vidéo, ça. Mais, moi-même, je dis que, je dis, mais attendez, parti qui traitait de politique, là. Première question que je réponds. Je vous pose une question sur qui raison, mon frère, qui fait que la négociation n'a pas abouti avec Ariel. Claude dit dans l'interview, les discussions se sont achoppées sous la question bicéphale. Ok? Et que il n'y a pas même bien temps pour aller débattre sur est-ce qu'il y a la priorité ou pas, parce que M. 21 décembre, il a été campé sur sa position. Et Claude de continuer de dire dans l'interview, ça m'a entendu, on va le faire entendre. Monsieur dit que mais qu'un consensus que vous cherchez pour retirer le pays à l'insalier, je dis tout le monde de la donne, je dis y compris Ariel, ok, quitte à ce que c'est pour ta garder avec Ariel qui Jean l'a quitté pouvoir. Mais ça m'a entendu. Sur 7 février, je dis, je rappelle que c'est lui-même qui a évoqué l'idée que date ça, c'est date la fin de la transition dirigée par Ariel Henry. Et monsieur dit quoi que date ça, son date peut tenir compte de lui. Faut que toute force vive au chita pour qu'on ait de quoi demain sera fait. Mon frère, entendre ça que dit. Avant de prendre une opinion sur le comportement de Claude, sur le ton de Claude, et sur l'interview, ça, entendez ça, Claude dit, mesdames et messieurs. Je dis à nous en situation de même Jeanne de Gagnel avant visite CARICOM. C'est trois missions CARICOM fait ici. Toutes trois missions ça ont échoué parce que pouvoir à Kaliel, Kembe code red sous position c'est yo pour gagner contrôle toute réalité pouvoir pendant que pas gagne aucun résultat. 2023 ou gagne un échec économique ou gagne un échec politique ou gagne un échec social. M'pas besoin répéter ça, mais tout le monde connaît jodi a nou gagné plus que 200 000 déplacés internes. M'pas besoin répéter ça, tout le monde connaît accord 21 décembre 2022 qui donc était véritablement fait 2023 un chantier sécuritaire. Eh ben pas gain sécurité. Mariani évidemment vit nos zones un territoire perdu et autant de territoires perdus que nous gain dans pays. Tout le monde connaît que politiquement après échec CARICOM yo, c'est-à-dire que nous pas gagné un chantier électoral, pas gagné conseil électoral provisoire. Nous pas gagné chantier constitutionnel, pas gagné comité d'experts pour changer constitution. Tout le monde connaît sur le plan social, politique et économique sont désastres. Et tout le monde connaît c'est parce que le gouvernement ça qui là, yo incapable, c'est parce que tout le monde connaît yo tout le monde ouais à vivre
incapacité. Dans ce sens, je crois que 7 février 2024, quoi accord 21 décembre te dit, on doit gagner une autre réalité de monde intègre, compétent, dynamique qui capable mener back pays. Donc nous même c'est ça qui positionne nous, mais faut que nous gagnions un exécutif bicéphale. Il n'est pas possible pour gagner un seul monde qui gagne toute réalité pouvoir, tout contrôle l'État dans main. C'est lui qui décide de vie et de mort et de 12 millions haïtiens, alors que nous c'est une démocratie. Donc nous avons une véritable dérive dictatoriale qui doit freiner. C'est pour ça que nous même avons aidé, nous demander, nous croyons et nous bataille pour nous avoir un exécutif bicéphale côté pouvoir acteur yo balancer en exécutif là. Et là nous pas dans question exclusion, nous pensons faut tout le monde là-dedans, mais faut effectivement nous avoir un exécutif bicéphale côté pouvoir acteur yo balancer. 7 février 2024 c'est une date importante dans la dynamique politique, c'est une date qui est extrêmement importante. Nous pas capable ignorer ça. Aider cette première organisation politique qui t'a fait valoir ça à travers une lettre que t'a écrit à communauté internationale là pour attirer attention sur la fin de la période intérimaire ainsi fixée par le consensus national pour une transition inclusive et des élections pour une transition efficace et des élections inclusives. Donc sorti les accords 21 décembre. C'est nous qui t'ai attiré attention de la communauté internationale, de l'opinion publique nationale et internationale sur cette échéance qui arrive à grands pas. Donc nous pensons que c'est extrêmement important pour acteurs politiques yo chita ensemble formellement ou informellement, j'en ouvre là pour yo définir un modus operandi pour avancer. Mais évidemment avec un exécutif bicéphale, un côté pouvoir acteur balancé, aider gagner une position constante sur ce question ça. Il n'est pas possible pour ces petit groupe monde, un monde qui gagne contrôle toute réalité pouvoir. Il est important pour nous organiser élection côté que tout acteur rejoigne dans une gouvernance efficace et évidemment dans une transition qui inspire confiance. Nous même n'a aider na bataille chaque jour, nous na consultation populaire pour nous véritablement organiser nous et permettre que population lui-même li participe dans façon pâle qu'on elle toujours fait pacifiquement dans négociation yo. Parce que